Shalom, shalom à toute la famille 100% Jésus-Christ. Shalom à tous ceux-là qui nous suivent partout où vous êtes. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois réunis en prière. Et ce sont des temps forts que nous prenons de partager la parole de Dieu et de prière. Et là, nous sommes en train de partager sur un sujet intéressant, où nous parlons sur l'intercession. Nous sommes en train de parler de l'intercession. Et on avait commencé à la session passée et nous continuons encore aujourd'hui. Soyez bénis partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui as permis à ce que nous puissions nous retrouver en ces instants. Bénis, Seigneur, tous nos frères et sœurs partout où ils se retrouvent. Que ta grâce continue, Seigneur, à affecter nos cœurs, nos vies et tout ce que nous sommes en train de faire. Que tout soit pour ta gloire. Merci parce que tu es avec nous pendant ces instants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, merci bien. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire un passage. Nous prenons le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe. Prenez Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. On peut lire tout le chapitre. Ce chapitre d'Ésaïe 53, c'est un chapitre prophétique très puissant pour les chrétiens parce que ça parle de l'œuvre salvatrice qu'a accompli notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alors, on peut lire, sauf que nous allons plus nous attarder sur les deux derniers versets. Mais c'est mieux qu'on lise les tout pour qu'on puisse, donc pour une meilleure audition, oui. Une meilleure compréhension. Ésaïe 53, de 1 jusqu'à 12. Oui, c'est tout le chapitre. Quelqu'un peut nous aider à la lecture, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Ésaïe 53, Ésaïe 53, donc le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis, muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse, enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'était la parole du Seigneur. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Merci, ma sœur. Oui, mes chers amis, je pense que nous venons tous de suivre la lecture et chacun de nous a aussi lu dans sa Bible. Ce passage, comme je l'ai dit tantôt, c'est un passage très puissant, un passage de la Bible qui est en train de peindre pratiquement l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la croix. C'était l'œuvre pour le salut des âmes, le salut de l'humanité. Eh bien, cette œuvre, c'était vraiment une œuvre, un travail d'intercesseur. Voilà pourquoi on conclut ce passage en disant que tout ce qui a été fait là, c'était l'intercession pour les coupables. Donc, Jésus-Christ fut un grand intercesseur et il demeure intercesseur jusqu'à nos jours. Et tout ce qui est peint dans ce passage, c'est l'œuvre d'intercession. C'est l'œuvre d'intercession. Et on dit comment est-ce que lui-même, il s'est sacrifié. Il était vraiment rejeté des hommes. Il était méprisé. Il a souffert ainsi. Or, tout ce qu'il était en train d'endurer, c'était pour le bien des autres. C'était pour le salut des autres. Donc, il le faisait en faveur de tous ceux-là qui vont croire, comme nous qui croyons maintenant. Et lui, le Seigneur Jésus-Christ, a accompli ces choses pour notre salut. Pour notre salut. Mes chers amis, voyez maintenant ce travail-là. Plutôt ce passage a été dit longtemps avant même que le Seigneur Jésus-Christ ne naisse sur la terre. Le prophète Ésaïe a vécu plusieurs années, même des siècles avant la venue de notre Seigneur Jésus. Et lui, il avait dit cette prophétie. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il a accompli ce qui a été prédit par les prophètes. Alors j'attire votre attention sur ce fait. Écoutez bien les versets 11 et 12. Je le répète encore. On dit à cause du travail de son âme. Je répète, à cause du travail de son âme. Là où vous êtes, vous pouvez répéter le travail de son âme. Répétez ça. Le travail de son âme. OK. Le travail de son âme. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Voilà, rassasier les regards veut dire, donc, il va se réjouir de voir les résultats de son travail. Voilà, donc rassasier les regards veut dire voir le résultat de son travail. Vous savez, comme quelqu'un qui, prenons le cas d'une femme qui est en train de travailler à la maison, de faire le ménage, elle a balayé, elle a rangé sa maison, eh bien, quand vous terminez tout le travail que vous avez fait, eh bien, vous vous asseyez pour regarder votre maison, pour apprécier ce que vous avez fait, et que vous trouvez que tout est impeccable, ça réjouit les cœurs, parce que votre travail a réellement produit la joie, a produit ce que vous vouliez réellement. Eh bien, on dit que le Seigneur Jésus-Christ rassasiera ses regards, donc il verra le résultat du travail abattu, et ça le réjouira. Donc, nous aussi, nous pouvons aussi réjouir, rassasier nos regards si nous travaillons réellement. Pour réjouir ces regards, c'est-à-dire pour voir le résultat de ce que vous avez fait, eh bien, ce travail-là doit être un travail au niveau de l'âme. L'intercession, c'est un travail de l'âme. Je répète, l'intercession, c'est un travail
de l'âme. C'est un travail de l'âme. Donc, c'est au niveau de l'âme que l'intercession se fonde. Donc, ce travail doit se passer au niveau de l'âme. Et on dit, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Alors, un intercesseur, il travaille pour justifier beaucoup de gens. Il travaille, et la Bible dit, il se chargera de leurs iniquités. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. On sait pourquoi. Voyez maintenant un autre résultat. Donc, d'abord, il s'est réjoui du travail qu'il a fait. Et au verset 12, on dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. OK. Partager la part avec les grands. On ajoute, il partagera le butin, le verset 12. Il partagera le butin avec les puissants. Il partagera le butin avec les puissants. Partager le butin avec les puissants et puis avoir part avec les grands, pratiquement, ça veut dire que ça amène l'élévation, ça amène la grandeur. Donc, quelqu'un qui fait le travail de l'âme, quelqu'un qui fait le travail d'intercesseur, eh bien, Dieu lui donne la part avec les grands. Vous savez, c'est quoi les grands ou c'est qui les grands? Les grands, ce sont toutes les personnes qui sont élevées, toutes les personnes que nous regardons vraiment du bas et que nous voyons qui sont vraiment élevées par rapport à nous. Toutes les personnes qui sont privilégiées, toutes ces personnes qui ont le privilège sur cette terre, toutes les personnes qui ont une certaine notoriété. C'est ça ce qu'on appelle la grandeur. Eh bien, la Bible dit, c'est lui qui fait le travail de l'âme, il partage la part avec les grands. Il partage sa part, donc il a accès au résultat des grands. Donc, il a accès au salaire des grands. Il a accès au salaire des grands. C'est quoi le butin des grands? C'est quoi la part des grands? C'est-à-dire, vous voyez, ben, on peut même parler sur le plan financier, par exemple. Il y a des grands qui ont leur part dans les finances de ce monde. Eh bien, les grands de ce monde, leur part, c'est beaucoup d'argent, c'est des grandes richesses. Alors, dans le domaine de l'honneur, les grands de ce monde, ce sont des gens qui ont beaucoup plus d'honneur que les autres. Dans le domaine, je ne sais pas, de respect, les grands, ce sont ceux-là qui ont droit à beaucoup plus de respect que les autres. Alors, tout ce qui est grandeur là, tout ce que les grands ont pas, la Bible dit, l'intercesseur à part à ces choses. Donc, comprenez que lorsque vous faites le travail d'intercession, ça amène l'élévation, ça amène la grandeur, ça vous fait participer à la gloire, ça vous fait participer à la grandeur. Comprenez ces choses et attendez-vous à vivre cela. Donc, quelqu'un qui participe, qui fait le travail d'intercesseur, quelqu'un qui fait le travail d'intercesseur automatiquement, alors évidemment, et ça c'est vraiment sans contredit, il doit s'attendre à recevoir le butin des grands, à vivre la grandeur dans sa vie. Donc un intercesseur sera toujours élevé. Un intercesseur vivra toujours la grandeur. Et c'est comme ça. Dans le domaine financier, dans le domaine de l'honneur, dans tous les domaines des choses que les gens recherchent sur la terre et tout ce que les grands reçoivent, eh bien l'intercesseur reçoit cela, vous le recevrez. Alors que Dieu bénisse toute personne qui s'engage à être intercesseur, eh bien qu'il s'attende à vivre la grandeur dans sa vie, reçoit cela au nom de Jésus-Christ. Mmh. Et c'est quoi ce travail d'intercesseur? La Bible dit ici au verset 11, on dit à cause du travail de son âme. J'insiste et je reviens là-dessus. C'est là où je vais un peu m'attarder et chuter. On dit le travail de l'âme. Le travail de l'âme, c'est un travail qui est basé sur trois choses, parce que l'âme est le siège de trois choses. L'âme, c'est le siège de l'intelligence. L'âme, je répète, l'âme, c'est le siège de l'intelligence. Deuxièmement, l'âme, c'est le siège des émotions ou des désirs, si vous voulez, sentiments. L'âme, c'est le siège des émotions. Et troisièmement, l'âme, c'est le siège de la volonté. Donc, ces trois choses font de l'âme, essentiellement, bien sûr. Donc, dans l'âme, il y a l'intelligence, les émotions
et la volonté. Alors, quand on dit le travail de l'âme, donc c'est un travail qui est bâti dans le domaine de l'intelligence. Donc, un intercesseur, c'est quelqu'un qui prie intelligemment. C'est quelqu'un qui prie avec toute son intelligence. C'est quelqu'un qui amène toute son intelligence dans la prière. Donc, pour dire que tu ne peux pas prier et pendant que ton intelligence est mise ailleurs, ou par exemple, là, tu es concentré en prière, mais tu penses à autre chose. Tu es d'abord divisé dans tes pensées. Pendant que nous donnons un point de prière, nous nous prions et toi, tu es en train de parler à la bouche, bien sûr, mais tes pensées sont ramenées, je ne sais pas, sur tes soucis, sur tes affaires, sur autre chose, et sur ce que tu feras après la prière. Donc là, ces moments-là, ton intelligence n'est pas en train de travailler, eh bien, tu es pratiquement divisé et c'est ce que nous appelons la distraction. Alors, un tel niveau de travail, ce n'est pas un travail de l'âme. Et ça ne produit pas de résultats. Tu dois prendre ton intelligence, tes pensées et les ramener en prière. L'intelligence doit réellement travailler. Bien sûr, lorsque nous entrons maintenant dans la dimension de prière en langue, là où la Bible dit que mon intelligence est à ce moment-là stérile et c'est l'esprit qui prie, alors là, c'est une autre dimension. Parce que malgré cette dimension-là où l'intelligence n'est pas vraiment en train de fonctionner, c'est plus l'esprit qui travaille, mais au moins ton intelligence est focus sur le point de prière que vous êtes en train de faire. C'est à ce moment-là que l'esprit prend le relais. Mais si ton intelligence est vraiment stérile dans le sens que tu es distrait ou focalisé à autre chose, là, c'est la distraction. L'âme doit travailler. Ça veut dire l'intelligence, tes pensées doivent être concentrées sur le point de prière. Deuxième chose, dans l'âme, le travail de l'âme veut dire, comme nous venons de le dire, que dans l'âme, il y a les émotions. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu es en train d'intercéder ou de faire cette prière d'intercession aussi longtemps que tes sentiments, tes émotions, tes désirs sont ailleurs. Bien-aimé, en priant, vraiment, vous devez faire travailler l'âme. Ça veut dire vos sentiments, vos émotions, vos désirs doivent se plonger dans le point de prière que vous êtes en train de faire. C'est à ce moment-là que vous faites le travail de l'âme. Je m'excuse. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que votre prière doit être basée sur la compassion. Sur la compassion. Vous devez, excusez-moi, vous devez pratiquement ramener vos émotions, vos sentiments dans le point de prière. Être compatissant, compatir au point de prière que vous êtes en train de faire. Vos sentiments, vos émotions doivent être penchés sur le point de prière que vous faites. Voilà pourquoi vous comprendrez que quelqu'un qui prie sans amour pour le sujet auquel il prie, eh bien, c'est quelqu'un qui ne fait pas travailler l'âme. Et ce genre de prière n'a pas d'effet parce que tu es vraiment en dehors de la prière. Tu dois vraiment amener tes sentiments dans la prière. Remarquez dans tous les passages où on parle des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, on dit que quand il touchait les malades, lorsqu'il guérissait, on dit qu'il était ému de compassion. Ému de compassion. Voilà l'œuvre de notre Seigneur. C'était vraiment un intercesseur marchant sur la terre. Il avait beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour les autres. La compassion, c'est quoi? C'est se mettre vraiment sur la peau, dans la peau de l'autre. Vous vous mettez dans la peau de l'autre. Vous essayez un peu de réaliser ce que peut ressentir l'autre dans ses besoins, dans ses difficultés. Vous vous mettez à sa place comme si c'était vous, la personne qui a ce même problème. Et là, vous allez compatir. Vous allez compatir. Vous allez pratiquement ressentir les douleurs de l'autre. Vous allez réellement ressentir les besoins de l'autre. Vous allez ressentir le souci de l'autre. C'est cela
vraiment l'intercession. Donc, vos sentiments, vos émotions doivent se plonger dans la prière. Vous ne pouvez pas prier sans compassion. Vous ne pouvez pas prier sans aimer la personne pour laquelle vous priez. Parce qu'une prière qui est dépourvue d'amour, c'est une prière qui n'aura pas d'effet. C'est une prière qui n'aura pas de puissance. Vous devez mettre vos sentiments dans la prière. C'est cela le travail de l'âme. Le travail de l'âme. Aimer, par exemple, nous pouvons dire que nous prions pour notre frère Antoine. Eh bien, quand nous prions pour le frère Antoine, vous devez aimer le frère Antoine. Vous devez ressentir ce que le frère Antoine peut ressentir par rapport à la requête qu'il a donnée. Et vous devez vraiment éprouver ces mêmes douleurs qu'il a. Bien que ce n'est pas vraiment totalement 100% pour que vous puissiez ressentir réellement ce qu'il ressent, mais au moins vous vous mettez à sa place en essayant de vous imaginer le problème. Et alors là, vous prierez vraiment comme si c'était vous-même. C'est cela le travail de l'âme. Donc le travail de l'âme, c'est un travail où les sentiments, les émotions, les désirs sont inclus dans ce que vous faites comme prière. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Eh bien, nous avons encore dit que dans l'âme, le troisième élément, c'est la volonté. Le troisième élément dans l'âme, c'est la volonté. Donc, le travail de l'âme exige qu'il y ait la volonté. Alors, l'intercession, c'est un travail de l'âme, c'est-à-dire votre volonté doit vraiment s'exercer dans la prière. On ne vous bouscule pas. Vous n'êtes pas en train de prier, je ne sais pas, pour satisfaire telle ou telle autre personne, parce que si je ne viens pas, la personne va parler ou quelqu'un va me dire, alors bon, au moins soyons là, ou comme le fait certains, vous êtes là, vous ouvrez les micros pour qu'on voit que vous êtes là, mais pendant ce temps-là, vous êtes en train de vaquer à autre chose, et bien là, ça n'a pas de sens. Mettez votre volonté dans la prière. Aimez cela et vous-même volontairement engagez-vous réellement dans la prière. C'est à ce moment-là que l'âme est en train de travailler. Je répète, l'intelligence, les sentiments et la volonté. Ces trois choses doivent s'inclure dans la prière. Ces trois choses doivent participer à la prière. C'est à ce moment-là qu'il y a le travail de l'âme. Et quand l'âme travaille, quand l'âme travaille, eh bien, sachez-le, vous rassasierez vos regards, comme la Bible le dit, au verset 11 d'Ésaïe 53. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Il rassasiera ses regards. Et au verset 12, on dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Voilà, il partagera le butin avec les puissants. Vous voulez partager le butin avec les puissants? Eh bien, faites travailler votre âme. Vous voulez avoir la part avec les grands? Eh bien, faites travailler votre âme. Vous voulez rassasier vos regards? Eh bien, faites travailler votre âme. Que votre prière, vos moments d'intercession soient des temps où l'âme travaille réellement. Ne soyez pas distrait, ne ramenez pas vos pensées ailleurs pendant que vous êtes en train de monologuer ou de parloter. Ne soyez pas comme ceux-là qui vraiment sont vraiment, vides de compassion lorsqu'ils sont en train de prier. Vous priez seulement afin que vous puissiez entendre votre voix comme quelqu'un qui est en train de balbutier pendant que vos sentiments sont ailleurs. Vous n'êtes même pas dans ça. Alors là, ça n'a pas de sens. Parce que sachez-le que la puissance de Dieu se véhicule à travers l'amour. L'amour est ce véhicule qui transporte la puissance de Dieu. Je répète, l'amour est ce véhicule qui emporte, qui fait transporter et qui fait déplacer la puissance de Dieu. Dieu est là, sa puissance veut agir, Dieu veut toucher les gens, Dieu veut guérir les malades, Dieu veut délivrer les gens, eh bien, il va passer à travers vous. Vous êtes ces véhicules-là, eh bien, pour que vous puissiez vous déplacer, déplacer la puissance de Dieu pour que ça atteigne les autres, vous devez être ému de compassion. C'est la compassion qui fait déplacer la puissance de Dieu pour affecter votre entourage, pour affecter ceux pour lesquels vous priez. Aimez ces gens
compatissez, eh bien la puissance de Dieu sera libérée et vous rassasierez le regard. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui fait travailler son âme. Il fait le travail de l'âme, un travail de l'âme. Voilà pourquoi la plupart des intercesseurs arrivent même des fois à tomber malades. Comment ça? Donc parfois, ils se retrouvent avec des problèmes de cœur, des problèmes de tension, des problèmes des problèmes qui touchent au cœur. Parce que souvent, lorsque on est trop ému de compassion, on peut vraiment ressentir la douleur que ressent l'autre. On peut se retrouver dans cette dimension-là où même son estomac est affecté parce que tu es tellement rempli de compassion. C'est à ce niveau-là que même Jésus-Christ a connu ce qu'on appelle les grumeaux de sang. Vous savez, quand il était à Gethsémane, il priait au point que sa sueur s'est transformée en sang. Alors, on appelle ça les grumeaux de sang. Et les psychiatres peuvent mieux expliquer cela. Ils disent que pour atteindre cette dimension-là, c'est que il avait des douleurs atroces, des douleurs tellement fortes que les nerfs sont devenus très tendus, au point que certains nerfs, certaines veines commençaient à se fissurer et les sang qui passe à l'intérieur des veines-là ont commencé à sortir et à sortir par la peau. C'est comme ça que ces sang pouvaient se retrouver mélangés à la sueur et les sang commençaient à couler. Et bien à cette dimension-là, c'est vraiment une dimension plus élevée. Vous comprendrez qu'un intercesseur, c'est vraiment quelqu'un qui compatit sérieusement. Mais gloire soit rendue à Dieu. Comme nous prions, nous sommes en communion avec le Dieu guérisseur. Voilà pourquoi il nous préserve. Voilà pourquoi il nous protège, pour que nous ne puissions pas tomber dans ce genre de maladies, des gens comme on a dit, estomac, cœur, ou des choses comme ça. C'est parce que la grâce de Dieu traverse nos corps lorsque nous sommes en train de prier. Cette même onction guérissante-là nous traverse, ainsi nous préserve. Mais ce n'est été cela, en tout cas un intercesseur tomberait toujours dans ce genre de maladies. Eh bien, mes chers amis, comprenez que le vrai intercesseur, c'est quelqu'un qui a vraiment compassion. Il ressent les douleurs de l'autre. Il ressent les douleurs des autres. Ainsi, mes amis, prions avec le cœur. Prions avec les sentiments. Prions avec les émotions. Faites entrer vos émotions dans la prière. Prions. Prions dans ce sens-là. C'est comme ça que vous verrez, par exemple, les Congolais de la RDC, la plupart de ceux-là qui prient, après leur prière, eux-mêmes sont en train encore de parler mal pour leur pays. Ah, vraiment, ces pays, en tout cas, on en a marre. Ah, les Congolais sont comme ça, les Congolais sont comme ceci. Eh bien, quand ils disent cela, comprenez que ces gens-là qui viennent de prier et qui parlent encore mal envers leur pays, ah, eh bien, comprenez qu'ils n'ont pas eu de compassion. Car s'il y avait vraiment de compassion, nous garderions vraiment ces mêmes pensées-là qu'on avait pour notre nation, pour notre frère, et bien pour celui-là pour lequel nous prions, qui peut-être a fait mal, même ceux-là qui causent des scandales. Lorsque nous prions pour eux, nous devons être émus de compassion. Parce que nous ne connaissons pas réellement les réalités, les paramètres qui ont fait que ces personnes se retrouvent dans de tels scandales, dans de telles situations. Voilà pourquoi notre part, c'est d'être mis de compassion. Rappelez-vous comment le Seigneur Jésus-Christ pouvait relever les faibles. Il pouvait relever une femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Il pouvait pardonner, il pouvait relever, il pouvait redonner encore une seconde chance aux autres parce qu'il était ému de compassion. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est ému de compassion. Vous voyez l'exemple de Moïse. Quand même Dieu était fâché, quand Dieu était en colère parce que le peuple s'était mal comporté, que Dieu voulait tuer même tous les peuples, Moïse est arrivé même à un niveau où il a dit à Dieu, vraiment, si vraiment tu préfères tuer ce peuple, alors moi je te demande, enlève mon nom dans les livres de vie, mais au moins sauve ce peuple. Ah, quelle dimension! Il accepte même qu'on puisse enlever son nom dans les livres de vie pour que le peuple soit sauvé. Ah, quand Dieu a vu cela, il a dit, non, Moïse, toi tu ne peux pas, je ne peux pas effacer ton nom.
Non, non. Alors, pour ça, vraiment, je sauve. Alors, tu appelles sa colère. Quelle dimension? Imaginez, Moïse intercédait. Il se mettait entre Dieu et le peuple, entre la colère de Dieu et le peuple. Il demandait à ce que Dieu apaise sa colère. Il apaisait la colère de Dieu. Et là, il pouvait même demander à Dieu de faire le bien là où Dieu avait décidé de faire le mal. Imaginez. Et ça, c'est vraiment un intercesseur. Il avait un cœur compatissant. Abraham a intercédé aussi. Il a intercédé en faveur de Sodome et Gomorrhe. Il a fait ça avec compassion, bien qu'il s'était séparé de Lot, car il y avait une dispute entre leurs servantes et serviteurs. Et dans leur séparation, Lot avait choisi les terrains qu'il avait trouvé que c'était meilleur par rapport au terrain qu'il avait laissé à Abraham. Quand il est parti, Abraham est resté. Dieu a toujours béni Abraham. Malgré leur séparation, Abraham a intercédé quand Dieu lui a dit que je pars détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham s'est rappelé que Lot était là-bas. Ah, bien qu'ils s'étaient séparés, mais au moins Abraham a encore intercédé parce qu'il était ému de compassion. Vous ne pouvez pas intercéder sans amour. Vous ne pouvez pas dire que vous priez quand vous n'avez pas de compassion pour la personne ou pour la chose pour laquelle vous priez. Vous devez être ému de compassion. Vous devez mettre vos sentiments. Votre âme doit travailler. Le travail de l'âme, c'est ça l'intercession. L'intercession, c'est le travail de l'âme. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui m'entendent. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut vous conduire à ces niveaux, à cette dimension-là. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Eh Amen. bien, mes chers amis, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Alors, je demande à quelques personnes d'ouvrir aussi votre micro, de prier ensemble avec nous, afin que ceux qui nous suivent puissent aussi apprendre à prier par votre façon de prier aussi. Car vous devez savoir que lorsque nous prions, nous sommes aussi à l'école, en train d'aider les autres à apprendre aussi à prier. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier que la grâce de Dieu soit sur vous. Eh bien, nous allons adorer ce Dieu-là. Nous allons lui dire merci pour son amour, merci pour sa bonté, merci pour sa grâce. Nous allons lui dire merci pour tous les bienfaits qu'il manifeste sur nous, sur la terre, dans la vie de son peuple. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voyons ton amour se manifester sur la terre. Ainsi, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu fais. Seigneur éternel Dieu, nous voyons l'œuvre de ta main sur la terre. Prie que tu réponds ta faveur et ta grâce. Mais aujourd'hui, je porte ton amour et ta bonté. Seigneur, nous reconnaissons éternel Dieu dans le monde des grands pour du mal. Pour la vie de chacun de nous, sois élevé, toi, toi, le Dieu tout-puissant, toi, le Dieu fidèle, sois élevé, toi, le Dieu tout-puissant, toi, le Dieu fidèle, toi, le Dieu tout-puissant, 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 toi, le
de nous rapporter, Papa Pascal, dans la croix. Merci, je vais, Papa Pascal, à toi. Tu as été l'intercesseur par excellence, Yahweh, Papa. En mourant pour à la croix, Jésus, tu as plaidé notre cause devant le Père, Papa. Un exemple parfait, Papa, sur la terre. Tu étais ému de compassion, Papa, pour les humains, devant les situations. Et tu nous montres, Yahweh, Papa, comment être un intercesseur. Tu nous montres, Papa, le cœur d'un intercesseur. Père, je viens te bénir. Père, je viens t'exalter. Je viens te rendre des actions de grâce. Et comme si aujourd'hui, je vais, Papa, tu nous aimes, Papa, tu n'as jamais cessé d'aimer l'humain. Même présentement à la droite du Père, tu continues toujours à intercéder pour nous. Tu continues toujours à plaider notre cause auprès du Père, Yahweh. C'est pour ça que je viens te bénir. Je viens te exalter. Je viens te dire merci. Je vais te rendre des actions de grâce et toi, le Dieu bon, toi, le Dieu fidèle. Sois élevé, sois exalté. Nous ne sommes pas à toi. Toi qui es le créateur infini, mon âme vient te bénir. Mon âme vient t'exalter. Mon âme est remplie, Papa, de louange, d'exaltation, Papa, car tu es Dieu. Merci, Papa, de nous amener dans une autre dimension. Merci, Papa, de faire tomber, Papa, l'aveuglement. Merci, Papa, de d'ouvrir nos yeux spirituels, de renouveler notre intelligence spirituelle, afin de connaître le mystère, Papa, qui est, Papa, de l'intercesseur. Le mystère qui est, Papa, de la volonté de Dieu, Papa, pour nous, enfants de Dieu. Je viens te bénir. Je viens t'exalter. Je te rends des actions de grâce. Je bénis ton Saint, Père. Je t'exalte, Père. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Je viens te dire merci. Nous venons, Papa, te dire que nous t'aimons, Yahweh, Papa. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, l'homme de Galilée. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, j'attire votre attention sur un fait, parce que nous allons particulièrement intercéder pour les nations. On va intercéder pour les nations pendant cette session de prière. Voyez, vous savez qu'aujourd'hui, le monde, selon les hommes des sciences, selon les scientifiques, ils ont constaté que le monde est en train d'être surpeuplé, selon eux. Ils trouvent qu'il y a trop de gens sur la Terre, qu'il fallait carrément supprimer un peu de gens sur la Terre. Il fallait tuer d'autres personnes parce qu'il y a surpeuplement. Voilà pourquoi ils sont à la base de combattre le mariage entre homme et la femme pour qu'il y ait plus procréation. Ainsi, ils disent que femmes entre femmes peuvent vraiment se marier, hommes et hommes peuvent se marier. Dernièrement, j'ai vu une vidéo où le premier ministre d'un pays là qui venait de faire le mariage avec un homme et un premier ministre, ils se sont mariés, et voire même le premier ministre de la Belgique était aussi allé pour encourager ces choses. Mes amis, il y a des choses qui se passent. Voilà pourquoi ils sont à la base même de créer des maladies comme des genres de corona, tout ça pour qu'il y ait vraiment mort, qu'il y ait des morts sur la terre. Ils sont en train de créer des génocides pour qu'il y ait beaucoup de morts sur la terre, parce que selon eux, ils pensent qu'ils sont en train d'arranger, de réparer. Et voilà aussi la guerre qui est là en Europe. Mes chers amis, comprenez que le diable veut vraiment qu'il y ait des morts, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des morts. Eh bien, il va maintenant influencer les hommes des sciences qui pensent mieux réfléchir que Dieu, et ils pensent qu'il faut tuer, il faut enlever d'autres humains comme ça, sans la volonté de Dieu, par leur propre volonté. Nous allons intercéder. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que les gens ne puissent pas être des sacrifices des mondes des ténèbres. Amen. Ainsi, on va demander à Dieu que sa miséricorde se répande sur la terre. Que Dieu vienne maintenant en faveur des humains pour venir au secours de son peuple. Que Dieu vienne secourir son peuple, car la mort est en train de souffler. L'ennemi est en train de souffler la mort.
Il souffle la mort par des maladies, il souffle la mort en interdisant la procréation, il souffle la mort en interjectant même certains virus, certains vaccins, mais pour rendre des gens stériles afin que les gens ne mettent plus au monde. Bien aimé, il y a des choses comme ça qui se passent pour interdire la vie. Alors nous allons prier contre cela. On va demander à Dieu que le Saint-Esprit se lève pour confondre la ruse du diable, pour confondre la ruse des hommes des sciences, pour confondre la ruse des occultistes qui opèrent contre la vie. Tout cela qui travaille pour mettre la mort, que Dieu confonde leurs plans et leurs projets. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tu nous as donné, papa, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. L'éternel des armées, papa, toi, tu nous as rassuré que rien ne pourra nous nuire. Papa, je viens m'éteindre dans le sang de Jésus-Christ. Papa, je m'en vais détruire, papa, tout le plan de monde de l'ennemi, papa, contre les peuples, contre les nations, Yahweh, papa, tous ceux qu'ils ont injectés, papa. Que ce soit les maladies, Jésus, les maladies éternelles des armées, injectées dans la nourriture, injectées dans les vaccins. Je m'en vais le briser au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais annuler, papa, toutes les guerres et les génocides, papa, toutes les sources, papa, qui peuvent être déclenchées en Afrique, en Europe, en Amérique, dans tous les continents. Papa, nous allons, dans le nom puissant de Jésus-Christ, déjouer le plan de l'ennemi. Nous allons déjouer le plan de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, papa, nous allons détruire, papa, tous les autels, papa, qui détruisent les mariages, papa, tous les autels, où je vais gérer, papa, qui détruisent, papa, les foyers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons, papa, envoyer le feu contre les sirènes des eaux, papa, destinées, papa, à déstabiliser les foyers, à déstabiliser des maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous envoyons le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel des armées. Nous allons détruire tous les autels, papa, des sacrifices humains, Yahweh, des sacrifices humains dans les différentes nations, dans les différents pays. Nous allons détruire cela. Nous allons envoyer le feu. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ. Nous allons effacer là où se trouve, papa, les noms, papa, que ce soit des membres du corps du Christ, des membres dans les églises, des membres dans les nations. Papa, nous allons, papa, contre tous les sacrifices humains qui sont faits, papa, pour encore, je vais gérer, papa, détruire l'humanité. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ qui a été, papa, le sacrifice par excellence. Nous allons, papa, souiller, papa, tous ces autels de sacrifices qui réclament les âmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons détruire, papa, tout plan de l'ennemi, papa, contre la procréation, Jésus, là où ils mettent la stérilité, là où ils mettent le blocage, là où ils changent, papa, l'orientation sexuelle des hommes et des femmes. Nous allons annuler tous ces décrets au nom puissant de Jésus-Christ, parce que ton sang a coulé, papa, afin que ces choses n'arrivent pas. Ton sang a coulé, Jésus-Christ, papa, en nous donnant la victoire, et ton sang a fléchi, Jésus. Ta parole nous dit, papa, que c'est à la croix, papa, que tu les as exposés, papa, livrés publiquement en spectacle, Jésus. Nous voulons déclarer la victoire de Jésus-Christ, papa, dans les nations, dans les familles, dans les couples, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier contre toutes les œuvres de la sorcellerie qui opèrent dans nos familles pour amener la mort. Toutes les œuvres de sorcellerie, des sorciers qui travaillent dans nos familles pour amener la mort. Ils sont aussi utilisés, ils sont aussi les instruments du diable. Lorsque le diable travaille avec le politicien pour créer des guerres afin de faire mourir les gens, il travaille avec les scientifiques pour provoquer des maladies comme des virus, comme des corona. Il travaille avec d'autres là qui travaillent aussi pour amener même des choses dans les aliments pour créer des stérilités.
l'autorité dans les gens, bien-aimés, il travaille aussi avec les sorciers dans nos familles pour provoquer des accidents, provoquer des maladies, provoquer des envoûtements, pour faire mourir les gens, faire périr les gens. Bien-aimés, opposons-nous à ces choses. Nous allons neutraliser les œuvres des sorciers, que le diable soit confondu, que les sorciers soient confondus, tous les plans des sorciers dans nos familles. Quand ils ont programmé de faire mourir, faire périr, je ne sais qui que ce soit, nous allons prier pour que la confusion soit dans les camps des sorciers et que ces projets de mort soient neutralisés. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Éternel Père de gloire, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je m'en vais me tenir dans le sang de Jésus-Christ et je m'en vais détruire, Papa, toute œuvre, Papa, de la sorcellerie contre ma vie, contre la vie de mon mari, de mes enfants, contre mes parents, contre mes frères, contre ma belle famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, tout esprit, je vais gérer, Papa, tout hôtel, je vais gérer, Papa. Là où il y a le décret de la mort, Papa, destiné à me nuire, destiné à nuire mes enfants, mon mari, Papa, destiné à nuire mes parents, mes frères. Papa, je m'en vais détruire cela par ton feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous les décrets de mort, Papa, prononcés contre ma maison, contre ma famille, Papa, je m'en vais annuler cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, ton sang a coulé afin que ces choses n'arrivent pas. Ton sang a coulé afin que je puisse avoir la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais déclarer la victoire. Je m'en vais déclarer la victoire dans ma vie, dans ma maison. Je m'en vais détruire, Papa, tout envoyé de monde de ténèbres, les sirènes, les sorciers, tout agent du monde de ténèbres, Papa, chargé, Papa, d'injecter la maladie, d'envoûter nos vies. Papa, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Localise tous ces agents. Localise leur mission, Papa, qu'ils soient déstabilisés, qu'ils soient détruits. Que ça soit dans nos familles, dans notre entourage, au travail, tout agent du monde de ténèbres, utilisé pour exécuter, pour mettre à exécution, Papa, la mission de nos familles, de nos belles familles, dans Zotinda Moto. Que ton feu, Papa, aille détruire. Que ton feu apporte la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, neutralise, Papa, tous les plans des sorciers, Papa, dans ma vie, dans la vie de mon mari. Tout plan de division, tout plan, Papa, de maladie, tout plan, Papa, de sorcellerie, d'envoûtement, la zotine, la moto. Je neutralise tout envoûtement, toute incantation chez le féticheur, chez les sorciers. Et Papa, solo, quand la zotine, la moto, Papa, localise toutes ces, toutes les loges, toutes les loges sorcelleriques des francs-maçons, Jésus, de ma famille. J'envoie le feu. Papa, détruit l'homme fort, la femme forte de ma famille, Papa, qui est chargée d'exécuter. Papa, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Localise, qu'il soit ici au Canada, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, qu'il soit dans les eaux, dans les cimetières, dans Zotinda Moto, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où mon nom est réclamé, là où la tête de mon mari est réclamée, là où la tête de mes enfants sont réclamés, j'envoie le feu. Je m'avais annulé leur mission. J'envoie le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ aille les confondre. Papa, je m'en vais verser les sangs, Papa, dans toutes les casseroles, dans tous les puits. Oh, Mathieu, Papa, Makilana et Ganga, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mes amis, l'intercesseur, c'est aussi comme David. La Bible dit, lorsqu'il était en train de paître le troupeau de son père, il a dit, quand un lion s'avançait ou un ours s'avançait pour prendre une brebis, il courait droit vers le lion et l'ours. Il les tenait et il arrachait de ses pattes ou de sa gueule la brebis. Et il s'est jeté contre le lion, l'ours, il est terrassé. C'est ça aussi un intercesseur. Nous sommes là, bien-aimés, pour arracher cela qu'on mène à l'abattoir. En ce moment, il y a des listes qui sont déjà programmées dans les ténèbres. Le diable, les sorciers ont déjà programmé certains morts. Ils ont déjà arrangé des choses et programmé. Tu ne sais si c'est qui. Peut-être c'est toi, peut-être c'est ton enfant, peut-être c'est un membre de ta famille qui a été programmé dans ces plans de mort. Nous allons arracher de cette liste de morts ténébreuses toutes les personnes innocentes, que le diable a mis à mentionner sur ces listes. Nous allons les arracher de la gueule du diable,
battre du diable. On va arracher tout cela que le diable avait mené à la mort, que ce soit dans ta famille. Prie pour que la mort programmée par le diable soit neutralisée et que ceux qu'on voulait tuer, que Dieu les arrache, que Dieu donne la vie. Prie pour que la vie souffle dans nos familles et que cette vie soit préservée. Prions. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons arracher ce qu'on mène à l'abattoir. Nous venons arracher ce qu'on a programmé pour la mort ténébreuse, la mort diabolique. Nous venons arracher, Seigneur, au Dieu, ce qui a été programmé pour les accidents, ce qui a été programmé pour les accidents mortels. Nous venons arracher, Seigneur, ce qu'on a programmé pour les accidents des maladies. Nous venons arracher, au Dieu, ce qu'on a nous les arrachons des pattes du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-toi, éternel notre Dieu, arrachez-les de la patte du diable, arrachez-les, Seigneur, de cette liste de ce satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ, papa, nous allons arracher, je vais jurer, papa. Toute vie, je vais jurer, papa, que ça soit, papa, toute vie des innocents. Si jamais, papa, mon nom, les noms de mes enfants, de mon mari, de ma mère, de mon père, de mes frères, se trouvent dans la liste de la sorcellerie de sorciers. Au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je m'en vais arracher mon nom, le nom de mon mari, de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, de la liste des accidents, de la liste de maladies, de la gueule du diable. Papa, je m'en vais arracher mon corps, mon âme et mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais arracher la vie de mon mari. Au nom puissant de Jésus-Christ, de mes enfants, quel que soit dans les hôtels de sacrifice, dans la liste qu'ils ont mis, papa, des morts à exécuter. Papa, je m'en vais arracher au nom puissant de Jésus-Christ. Et je m'en vais plaider le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ aille crier, papa, sur tous les hôtels, sur toutes les représentations. D'ici Kakombo Nanga, Zaya Mobal Nanga, Yabana Nanga, Yabota Nanga. J'envoie le sang de Jésus-Christ. Que le sang aille effacer, aille détruire toute représentation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais arracher ma vie. J'arrache la vie de mon mari, la vie de mes enfants, la vie de ma mère, de mon père, de mes frères. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit de leur réunion, là ils font les listes. Papa, j'arrache mon nom. J'arrache le nom de mon mari, de mes enfants. J'arrache le nom d'un papa, d'une maman. 100% Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrache le nom d'un papa, d'une maman, papa, qui nous suit sur YouTube, sur Facebook. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la vie, Yahweh. Je déclare la vie. Je déclare le souffle de vie. Là, on avait installé la mort. Là, on avait installé le blocage. Je déclare la vie, le souffle de vie dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans tout ce que dans mes projets, quelle que soit la mort physique ou spirituelle qu'ils avaient mis, je m'en vais briser cela. Je m'en vais détruire cela par ton feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que ton sang a coulé pour que moi je puisse avoir la vie. Ton sang a coulé pour que mon mari puisse avoir la vie. Ton sang a coulé, papa, pour que je puisse avoir la protection. Au nom puissant de Jésus-Christ, je communique la vie. Là où il y avait la mort, je communique la vie, le souffle de vie, papa, dans ma vie, dans ma maison, dans mon mariage, Jésus, dans la vie de mon mari, de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis, papa, j'arrache, papa, mon nom, le nom de mon mari, de mes enfants, dans la liste des maladies, d'accidents, dans la liste d'abattoirs. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, contre tout le plan de l'ennemi, papa. Papa, je m'en vais déjouer, papa. Toute mort subite, je détruis cela, j'annule cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout sacrifice humain, je m'en vais l'annuler au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Yes. Nous allons terminer avec ces points de prière. Nous prierons pour la foi chrétienne de plusieurs que le diable a tué. Il a tué plusieurs personnes, il a tué leur foi. Il y en a de ceux-là qui ont fait naufrage à la foi en ce moment, à cause des persécutions, à cause des problèmes, à cause des maladies incurables, je ne sais pas, à cause des difficultés qu'ils sont en train de traverser ou à cause des scandales qu'ils ont vécu. Il y en a plusieurs qui ont fait naufrage à la foi. Il y en a plusieurs qui ne se donnent plus à l'œuvre de Dieu comme ils le faisaient.
parce qu'il y a des problèmes dans leur vie. Alors on va prier, toi et moi, que Dieu ressuscite la foi de plusieurs, que Dieu redonne encore ce premier amour de les servir, que Dieu ravive le feu de les servir. Oui, même pour toi-même aussi, que Dieu ranime encore le feu de l'intercession en toi, que Dieu ranime le feu de l'intercession dans le cœur de nos frères et sœurs, que Dieu ranime encore la foi chrétienne dans plusieurs de ses serviteurs que l'ennemi a terrassés, à travailler, à tabasser par des scandales, par des persécutions, par des problèmes, que Dieu ranime la foi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te prions, Seigneur. Viens raviver notre feu. Des armées, Papa. Nous venons encore au pied de ton trône de grâce, Yahweh, Papa. Pour ranimer aujourd'hui, Papa. La foi aujourd'hui, Papa, qui est morte, Papa. Dans l'église corps du Christ, Yahweh. Dans la famille 100% Jésus-Christ. Là où il y a eu le découragement, Jésus. Là où il y a eu, Papa, la faiblesse, aujourd'hui, Papa. Dans notre marche, Jésus. À cause des problèmes, des maladies, des scandales. À cause des situations difficiles. Éternel des armées, viens nous donner l'esprit supérieur comme Daniel, Yahweh. Viens nous fortifier, Yahweh. Papa, je m'en vais de toi, aujourd'hui, Papa. Tout esprit envoyé, Papa, pour déstabiliser ton peuple. Je m'en vais envoyer le feu localisé, Jésus. Tout plan de l'ennemi, Papa, pour détruire aujourd'hui, Papa, la foi, Papa, de tes élus, la foi aujourd'hui, Papa, de tes serviteurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais détruire tout problème, Papa, qui peut arriver dans la santé, dans les foyers, Papa, tous les scandales, je m'en vais détruire cela, annuler cela, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, en commençant dans ma maison, Jésus, en commençant dans ma famille, je m'en vais détruire tout mensonge du diable, toute persécution, tout envoûtement, toute idolâtrie, Papa, à la reine du ciel, Jésus, j'envoie le feu, je m'en vais détruire cela, qui détourne, je vais jurer, Papa, les chrétiens, Papa, de la marche, je vais jurer, Papa, avec toi. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout naufrage dans la foi. Je m'en vais annuler cela, j'envoie le feu. Je m'en vais annuler cela dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans ma maison, dans ma famille, dans mon entourage, dans ma belle famille, dans la famille 100% Jésus-Christ, dans l'église corps du Christ. Je m'en vais détruire toutes les flèches enflammées de l'ennemi, Papa, pour nous toucher. Je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens déclarer dans le nom de Jésus-Christ que la foi soit ressuscitée, Yahweh Papa. Que la foi soit ressuscitée, Jésus. Que le feu de l'intercession soit ressuscité. Que nous puissions être des vrais adorateurs, des vrais intercesseurs, des vrais serviteurs de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton souffle, le vent nouveau, Papa, puisse souffler dans nos vies, puisse souffler dans ma maison, puisse souffler dans ma famille, puisse souffler dans la famille 100% Jésus-Christ, puisse souffler dans la vie d'un papa, d'une maman qui nous suit en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Éternel, désormais, viens déverser ton onction. Viens déverser ton onction. Viens de nous amener dans des dimensions supérieures. Viens nous amener dans une dimension supérieure. Viens nous emmener dans cette profondeur, dans l'intimité, Yahweh. Que nous puissions entrer dans cette intimité avec toi, Jésus. Afin que nous puissions être ces serviteurs de Dieu. Ces serviteurs dévoués. Ces serviteurs qui t'aiment. Ces serviteurs qui sont des intercesseurs et des vrais adorateurs que le Père recherche. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens mettre en nous l'amour. Saint-Esprit de Dieu, viens mettre en nous l'amour d'un intercesseur. Viens mettre en nous l'intelligence d'un intercesseur. Viens mettre en nous la volonté d'un intercesseur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Déverse ton onction. Déverse ton onction dans cette assemblée. Déverse ton onction dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, en ce moment, tu vas prier maintenant pour toi-même. Demande à Dieu, oui, qu'il te remplisse vraiment de compassion pendant que tu es en train de prier. Que tes prières soient vraiment des prières de ceux-là qui travaillent avec l'âme, le travail de l'âme.
demande cela au Saint-Esprit, que ce soit un travail d'âme et non un travail de complaisance, un travail, je ne sais pas, des simples lèvres, mais que ce soit réellement le travail de l'âme. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa force, de son amour, de sa compassion, et que tes prières se fassent vraiment dans ces dimensions-là. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Ô Seigneur éternel, nous te prions, Seigneur mon Dieu, agis, Seigneur, dans mon frère et dans ma sœur. Fais des intercesseurs, des vrais intercesseurs qui font le travail de l'âme. Nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, viens déverser en nous ton amour, ta compassion des âmes, afin que nous puissions faire ce travail avec amour, avec compassion. Saint-Esprit de Dieu, déverse en nous ta puissance. Déverse en moi ta puissance. Déverse dans ma maison ta puissance dans ce ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens ranimer la flamme. Viens mettre en nous la compassion. Viens mettre en nous l'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens nous remplir de compassion, d'amour pour les âmes, pour tout sujet, pour toute personne que nous allons prier. Viens mettre en nous l'intelligence, la volonté. Viens mettre en nous, Papa, l'amour dans ce travail. Au nom puissant de Jésus-Christ, amène-nous, Papa, dans cette dimension, Papa, de lorsque nous prions, que nous puissions le faire avec amour, que nous puissions le faire avec intelligence, avec volonté, avec, Papa, avec amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, déverse ton onction, cet Esprit de Dieu. Apprends-nous à être des intercesseurs, comme Moïse, comme Abraham, comme David, au nom puissant de Jésus-Christ. Apprends-nous à être des intercesseurs, comme le prophète Jérémie, au nom puissant de Jésus-Christ. Déverse en nous ta puissance, déverse en nous ta puissance, déverse en nous cet amour, Jésus, que nous puissions disparaître, que nous puissions nous effacer, que la chair puisse se taire, mais que l'esprit puisse s'élever, Yahweh, que notre chair puisse se taire, Yahweh, Papa, mais que toi, cet Esprit de Dieu, tu puisses te manifester à travers nous, et non pour notre gloire, mais pour la gloire de ton nom, pour l'avancement du royaume, au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, Jésus. Fais de nous des serviteurs, des témoins fidèles. Fais de nous des témoins fidèles, Jésus. Fais de nous des serviteurs fidèles, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Il est écrit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que l'Éternel exauce ta prière et que Dieu te bénisse. Oui, ma prière est que Dieu fasse de toi cet intercesseur qui fait le travail de l'âme. Voilà la dimension que tu dois atteindre. Tu dois aller à ce niveau-là où l'âme travaille. Soyez bénis. Comme j'ai toujours dit, nous terminons la session, mais nous ne terminons pas la prière. Amen. Continuez à prier et priez sans cesse. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est fixé à la session prochaine. Merci, merci. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Dieu vous bénisse.